Il a reconnu avoir violemment agressé le militaire samedi à Paris. Ce jeune homme de 22 ans a été arrêté à l'aube dans les Yvelines. C'est son sac jaune retrouvé sur les lieux du crime et les traces ADN qui ont permis de remonter jusqu'à lui. Converti à l'islam, Alexandre a sans doute agi au nom de son idéologie religieuse, selon le parquet de Paris. Je ne peux que souligner ici la violence de l'agression extrêmement rapide dont le militaire a été victime et le fait que la volonté à ce moment-là était de tuer ce soldat apparaît assez évidente. Le jeune islamiste a tenté d'égorger Cédric, un militaire de 23 ans qui patrouillait à la Défense dans le cadre de Vigipirate. Le soldat est ressorti de l'hôpital 2 jours après l'attaque. 1 heure avant le drame, le suspect avait acheté 2 couteaux dans un hypermarché de la Défense. Cet événement a eu lieu dans un contexte d'inquiétude, de menaces, une menace terroriste que notre pays connaît déjà depuis plusieurs mois. Donc il faut être vigilant. L'attaque a aussi eu lieu 3 jours après le meurtre d'un soldat britannique à Londres et 1 an après l'affaire Mera. Selon Manuel Valls, il y a plusieurs centaines de Mera potentiellement en France.